écoute, dès que tu es prête, tu peux commencer. Je marche dans le noir, comme un aveugle, je m'ai dirigé, sans trouver la lumière, sans trouver mon chemin. Le diable m'a essayé et m'a dominé, j'ai n'avais plus d'espoir. Mais lorsque je tourne mon regard vers le Créateur de cieux, lorsque je remis ma vie entre ses mains, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait son enfant, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Dans ces trous j'étais, ma vie n'avait plus de sens, rien ne réussissait, parce que j'ai enchaîné, abandonné par tous et méprisé, je n'avais plus d'espoir. Oh, oh, mais lorsque je tourne mon regard vers le Créateur des cieux, que tu allais monter encore. Franchement, je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Ça d'abord, bon, je ne savais pas ce qui va se passer, en tout cas ça m'inquiétait beaucoup. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a fortifié à l'intérieur, j'ai quand même donné le meilleur de moi. Pour Madiabou, je dis merci parce que à travers Madiabou, j'ai pu réaliser un peu mes rêves. Et j'ai dit merci à la famille qui me soutient dans la prière, qui ne cesse de me donner des conseils pour cette étape.